Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes aujourd'hui lundi. Lundi, je ne sais pas combien. Lundi 8 janvier et c'est parti, comme tous les lundis. J'ai la petite cracotte qui m'assiste là. Alors, donc je viens vous dire que je terminais le vlog la semaine dernière, donc hier pour moi, avec deux lectures en cours qui ne sont toujours pas terminées, mais qui sont quasiment terminées. Ce soir, j'en aurai une de terminée, celle-ci. Alors, pour vous refaire un petit récap rapidement, on est sur une ville au Québec qui va parler d'émissions de télé-réalité, mais pas une émission de télé-réalité comme on en a aujourd'hui, entre guillemets, avec des candidats dans une villa et qui font je ne sais quoi d'ailleurs, mais des choses diverses et variées, on va dire. Là, ça va être plus être une émission qui va être proposée par... Ma machine est prête. Proposée par Maxime Lavoie. Non, Max Lavoie. Pas de Maxime, juste Max, qui est un milliardaire. Donc de base, il avait créé, enfin non, il avait repris l'entreprise de son père. Celui-ci est décédé, donc voilà, il a repris l'entreprise et en fait, il s'est rendu compte que, je sais pas trop comment dire, parce que c'est pas dans le résumé, mais en gros, il essaye de sauver un petit peu la planète, mais il se prend que des vents et du coup, il se dit, les humains sont tellement stupides. Que je vais proposer une émission complètement stupide. Et cette émission, c'est donc la télé-réalité qui s'appelle Vivre au Max. Donc là, il propose aux gens de passer des auditions pour réaliser leurs rêves les plus fous. Sauf que c'est les gens sont tellement débiles que c'est des rêves complètement débiles. À mon sens, bien sûr. Mais voilà, donc il se lance dans ce projet et on suit donc son projet et une enquête évidemment autour de ça. Alors c'était un thriller qui est fait assez différemment des autres thrillers. Donc on reste sur le côté chapitre court, quoique de temps en temps c'est pas que des chapitres courts. Mais la particularité c'est que ça va être des chapitres qui sont complètement dans le désordre. On va commencer par le chapitre 21, ensuite on va aller par le chapitre 6, le chapitre 12. Et en fait ça va correspondre à différentes étapes des personnages principaux qu'on va suivre tout au fil du roman. Et ça peut paraître perturbant. Au début, je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce que ça va être? Faut que je me concentre. Et en fait, absolument pas. C'est fluide. C'est dingue. Ça se fait tout seul. Et franchement, on m'aurait dit ça. J'aurais dit, non, mais non, je te crois pas. C'est pas possible. Et en fait, c'est un truc de fou. Et voilà. Donc là, je suis page 875. Et il y a 925 pages. Donc, je suis vraiment dernière page. Et voilà, je passe un agréable moment. C'est un thriller. Ouais, c'est un. Ouais, il y a quand même des meurtres, donc c'est quand même du thriller, mais c'est pas un thriller dans le sens où il y a un serial killer avec une enquête. Enfin, je sais pas, c'est complètement différent, ou alors c'est l'effet de la mise en page qui me fait penser ça, mais c'est très original, c'est très addictif, c'est super bien. Par contre, public averti, hein, plus, parce que il y a des scènes. Vraiment, vraiment, je crois que c'est les pires scènes que j'ai pu lire en détail sur certaines choses, que ce soit côté sexuel, côté obscène, côté dégueulasse. Enfin, vraiment, il y a des scènes. Notamment, justement, c'est ça qui est bien, c'est que des scènes qui sont censées se passer au début du roman pour expliquer pourquoi Max Lavoie a certaines réactions ou fait certains actes. Et au final, on le sait qu'à la fin, ce qui rajoute un petit... Voilà, on se dit, est-ce qu'il nous fait pitié? Est-ce qu'il nous fait de la peine? Ou est-ce que non, ça... Voilà, on sait pas trop, mais voilà, j'ai hâte de savoir la fin de ce petit roman. Donc, je vais m'empresser de le lire juste après avoir étendu mon linge. Et je vous donnerai mon avis final, mais ouais, à mon avis, il ne sera pas changé parce que là, pour le peu qu'il me reste, je pense pas que je vais changer beaucoup d'avis. Mais je suis ravie d'avoir découvert cet auteur et je remercie encore Elodie de me l'avoir offert dans notre box de Noël il y a maintenant 15 jours. Mais Patrick Sénécal, donc c'est un Québécois que je ne connaissais pas et que je vais continuer de suivre. Il me semble qu'il a sorti d'autres romans. Ah oui, Les 7 jours du Talion aussi. Donc ça, c'est son premier roman. Et Les 7 jours du Talion, c'est son deuxième. Et il est également dans ma pile à lire et il paraît qu'il est...
explosif aussi, comme celui-ci. Donc bref, voilà pour ce roman-là. Je vous avais dit un résumé rapide, ça a duré 5 minutes, je suis désolée, c'était pas si rapide que ça. Et ma lecture audio que j'ai en cours, je suis à 88%, je crois, il me reste 5 chapitres à écouter. C'est donc toujours Les hommes ont peur de la lumière de Douglas Kennedy, auquel je n'accroche toujours pas. Je suis sur le même avis que la semaine dernière. Je ne saurais même pas trop vous faire un résumé, j'ai même pas préparé mon ordi pour vous lire le résumé. Mais voilà, on va suivre un chauffeur de Uber. Et en même temps, on a ses courses. Et en même temps, enfin, ses courses, c'est. Oui, ses courses de taxi, quoi. Et en même temps, on va suivre un petit peu sa vie à côté. Et il va se faire engrainer dans une histoire de pro avortement, de anti-avortement. Enfin, voilà. Enfin, moi, je n'accroche absolument pas. Ça s'écoute bien en soi, mais je ne continuerai pas avec cet auteur, c'est définitif. Donc voilà. À côté de ça, j'ai reçu une petite réception. Alors c'est suite à la dernière réception des livres de chez Point pour le meilleur prix du polar. Il me manquait un roman, donc je ne savais pas pourquoi. Enfin, je ne sais toujours pas pourquoi. J'ai demandé à la personne qui s'en occupe de me le renvoyer. Au début, je n'ai pas eu de nouvelles. Au bout de 15 jours, elle m'a envoyé un mail et elle me l'a envoyé. Donc voilà, c'est celui-ci, le dernier. Tu sais qui? Donc de Jakub Zmazalek. Donc sachant que les trois derniers que j'ai reçus, donc celui-ci, Crépuscule, je ne sais plus quoi, et La Cour des Mirages, apparemment, c'est des coups de cœur. Les filles l'ont déjà lu. Les ont déjà lus et ils sont super bien. Donc j'ai un petit peu plus hâte de les lire. Donc voilà, je suis contente. Donc merci aux éditions Point pour me l'avoir renvoyé aussi gentiment. Au début, j'ai dit bon, je tente. Bon, s'ils l'ont pas, c'est pas grave. Et puis elle m'a dit tout de suite, je vous le renvoie. Donc je lui ai envoyé un petit mail pour la remercier. Et dernière petite chose en ce lundi. Ce sera les seuls trucs que je vais ouvrir hein, de la semaine, je pense. Mais j'ai reçu la scie pour box. Je sais pas si on voit. On voit pas dans le. La scie pour box. Donc c'est une box livresque. À laquelle je me suis abonnée, que voilà, je ne pense pas que je vais rester abonnée toute l'année, mais d'ailleurs, je n'ai pas lu encore le livre du mois précédent, donc c'est pour ça que je reste pas abonnée tout le temps. Donc là, c'est le début, mais les box sont pas mal quand même. Alors, donc là, nous avons quoi? L'illustratrice du mois. Ah. L'illustratrice du mois, c'est Valentin. Chanson. Alors, voici l'illustration. On est encore en mode. Bon, je vais dire en mode hiver, oui, c'est normal. La neige commence à arriver. Très belle illustration, j'aime beaucoup. D'accord. On a un petit carnet résolution 2024. Enfin, non, pas un carnet, une feuille, tout simplement, avec un calendrier derrière. Qui peut être pratique à portée de main. Impeccable. Du petit thé Winter Tea de chez Balisure et un autre de chez Balisure. Mais ceux-là, je pourrais tous les deux les boire. Impeccable. J'aime bien cette marque, il me semble. Un marque-page tout simple, mais qui fait l'affaire. Le bonheur est parfois caché dans l'inconnu. Voilà, donc c'est pas très riche en goodies. Hein. Et le livre? Ouais, il y a juste deux thés et une illustration. Il n'y a même pas à manger. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'avais changé, j'avais demandé un feel good, c'est vrai. Alors, Virginie Grimaldi, chère mamie, tu vas rire. Voilà donc le petit feel good. Ah oui, d'accord. C'est la suite, enfin la suite. Il y avait chère mamie au pays du confinement, chère mamie, je sais plus quoi, et ça c'est le troisième, je crois. Il me semble. Ce matin, la maîtresse nous a emmenés au musée à Bordeaux. C'était génial. Enfin, pas les peintures moches, mais de prendre le bus. Il y avait un cendrier argenté.
Ah, il y a eu un bruit bizarre. Pardon. Il y avait un cendrier argenté accroché au siège et dedans j'ai trouvé un chewing-gum usagé. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je l'ai attrapé et j'ai commencé à le malaxer comme de la pâte à modeler. J'ai fait une boule, un serpent, un cœur, puis j'ai fini par un chapeau. Un tout petit mignon chapeau vert. Ah ça, tu m'aurais vu, j'étais fière de moi avec mon tout petit mignon chapeau vert posé sur ma tête. Tu le savais, toi, que le seul moyen d'enlever le chewing-gum sur les cheveux, c'est de les couper. Papa dit que je ressemble à un Playmobil. Gros bisous à toi et à papy, Ginny. Bon, c'est pas mon autrice favorite, mais j'aime bien la lire de temps en temps. Ça reste agréable. Là, ça sera sous forme de petites lettres, comme je viens de vous lire, en fait. C'est des petites lettres avec une illustration à chaque fois. Ça peut se lire plutôt rapidement. Après, est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. J'ai pas trop lu de retour sur ces romans-là. Mais bon. Voilà. Voilà mon petit cadeau dans ma. Si pour box. Ouais, je pense pas que je vais continuer. Je pense pas que je vais continuer. Ah, j'aurais dû prendre Polar Thriller. Parce qu'en fait, dans la sélection du mois, il y a les catégories qu'on peut choisir et les livres qui étaient sélectionnés pour ce mois-ci. J'aurais peut-être dû prendre. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, impeccable. Mon petit bouquin pour ce mois-ci. Hop, un petit feel good. Ben voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Mon thé n'est pas refroidi. Non, c'est bon. Donc, je vais vous laisser ici. J'ai rien de plus à vous dire. Hier, on a été se promener au bord de. Bah, dans un nouvel endroit qu'on n'avait jamais fait. Donc, du coup, je pense que c'est là-bas que j'irai courir une fois que j'aurai pris un rythme correct. C'est-à-dire pas tout de suite. Ce que je vous disais la semaine dernière que j'avais commencé à courir. Et en fait, la semaine dernière, c'était pas le bon moment. Mais je vais le faire cette semaine. C'est pas forcément le bon moment non plus parce qu'il fait super froid, mais je vais me motiver et je vais y aller. Et voilà, je vais commencer par des petits tours de 10-15 minutes, je pense que déjà je vais galérer. Et après, quand j'aurai un rythme correct, donc peut-être, je ne sais pas dans combien de temps on verra, ça j'en ai aucune notion du temps que ça va me prendre, mais ce petit coin-là est plutôt sympa. Par contre, ouais, peut-être attendre qu'il fasse nuit plus tard parce que ça me fait. Ça me fait un peu peur entre guillemets. Donc bon voilà, c'est tout ce que j'ai. On a été se promener là-bas. Voilà. Et puis. Puis ben voilà. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Et je vous reprends plus tard. Et coucou, alors on est aujourd'hui mercredi. Je viens vous faire un petit point lecture rapide avant que mon copain rentre. Alors, donc j'ai terminé. Sans surprise, mes deux lectures. Donc, la lecture papier, je l'ai terminée. Voilà, je suis toujours sur le même avis que c'était très bien. Ce final des dernières 70 pages où j'étais est juste grandiose. J'ai pas trop été surprise par la tournure des événements, mais c'est très bien écrit et il y avait 900 pages avant. Donc, voilà, la tournure des événements. Était ce qu'elle devait être et c'était chouette. Une très bonne première lecture pour cette année 2024. Premier pavé de presque 1000 pages et je suis ravie d'avoir lu cette lecture. Première lecture audio, par contre, beaucoup moins joyeuse parce que j'ai les joues rouges, moi. Parce que voilà, j'aurais ce même avis que c'était vite lu, vite oublié. On va pas en reparler. Enfin, je ne vais pas en reparler, mais voilà, c'est terminé. J'en ai commencé une autre tout à l'heure qui s'appelle Du thé pour les fantômes de Chris. Je ne sais plus quoi. Faudra que je. La prochaine fois, je vais préparer mon ordi pour vous lire le résumé et vous montrer un peu la couve que je trouve très jolie. Et en fait, le roman, je l'avais vu un petit peu quand j'étais en train de chercher. J'étais en train d'écouter l'autre lecture et chercher ma nouvelle lecture. Et je me suis dit, ouais, il a l'air pas mal. Ça a l'air d'être. Un mélange de thé, de sorcières, d'histoire, de famille, etc. Je me suis dit pourquoi pas. Pour l'instant, ça commence tranquillement. J'ai écouté deux chapitres et je comprends pas tout, mais c'est un petit peu normal en même temps. Et niveau lecture papier, alors j'ai pas pris de lecture papier, mais j'ai pris une lecture surliseuse. Comme je vous disais, j'ai
le roman des éditions Plume de Marmotte que je suis en train de lire. Je suis, il y a 148 pages et je suis page 120. Donc il me reste 20 pages, mais je me suis dit, je vais vite fait venir vous en parler. C'est celui-ci. C'est Irish Coffee and et Baiser volé de Aloysia Dehedin. Dehedin, je ne sais pas comment ça se prononce, désolée. Chez les éditions Plume de Marmotte. Donc il sort le 14 janvier et nous sommes le 10, il me semble. Donc quand vous aurez ce vlog, il sera déjà sorti si jamais cela vous intéresse. Je vous lis le résumé rapidement. Non, ce n'est pas ça. Alors, concernant le résumé, à Cobb, dans le. Donc, Cobb, c'est la ville. Cohb. À Cobb, virgule, dans le comté de Cork en Irlande, Maureen idéalise sa vie à travers les romans qu'elle dévore. À l'approche de la quarantaine, cette incorrigible romantique attend patiemment le retour de Shane, médecin dans l'humanitaire, accaparé au beau milieu du conflit russo-ukrainien. Ils ont l'habitude de se retrouver à chacune de ces visites dans la petite ville côtière. Pourtant, quand les rendez-vous s'espacent, Maureen refuse de voir l'évidence et s'enfonce un peu plus dans la solitude. Ses enfants, ainsi que sa meilleure amie Aisling, vont tout mettre en œuvre pour lui redonner le sourire. Et si l'amour se trouvait au coin de la rue finalement? Surtout que Dan, le fils aîné de la libraire, est de retour en ville. Quand ils sympathisent lors de la fête locale, tous sont ravis de voir enfin la chance tourner du côté de Maureen. Mais l'engrenage risque de dérailler quand cette dernière reçoit un message de Shane lui annonçant J'arrive ce week-end. Ah oui, c'est très très détaillé pour un roman de 147 pages. Désolée, je ne l'avais pas lu par avance. Sinon, j'aurais peut-être pas tout lu pour le coup. Donc voilà, c'est tout dit. Je ne peux pas vous en dire plus sur cette histoire. Ça se lit très bien, c'est très fluide. Mais voilà, il se passe pas non plus des choses de dingue. Voilà, c'est une petite romance qui fait très bien l'affaire. Qui est peut-être un poil trop courte, dirais-je, parce que pour le coup, voilà, le résumé. Ouais, le résumé en dit trop, je trouve. Ça laisse pas trop de suspense. Mais voilà, il se passe quand même quelques trucs hors de ce résumé, bien sûr. Mais voilà, donc je ne sais pas ce que je vais lire après. Je vais voir avec Elodie si elle veut qu'on commence le chapitre ou si je commence un autre truc. Parce que il me semble l'avoir vu mettre en story qu'elle commençait Le Tueur Intime et que de Claire Favant et qu'il est assez gros. Donc je vais voir avec elle. Et si elle n'est pas prête, je vais essayer de me sélectionner un petit roman de 300 pages. En l'attendant, donc voilà, je vais réfléchir à ça et puis je vous tiens au courant, bien sûr, hein, comme d'habitude, de mes évolutions. Sinon, j'ai bien été courir, hein. Attention, pas de mauvaise langue, j'ai bien été courir hier, j'ai couru 20 minutes et si j'avais su, j'aurais commencé par courir plutôt que de boire du matcha, tous ces trucs que j'ai pu essayer, ces crèmes, ces bains de pied, tout ça, tout ça. Les deux choses qui fonctionnent, c'est l'eau froide, qui marche très bien aussi pour la cellulite, et l'eau froide sur les jambes et de courir. C'était un truc de fou. Là, j'ai pas mal du tout aux jambes, ça libère. En plus, là, j'ai fait des grosses journées au boulot et j'ai pas mal aux jambes. Et ça, je peux vous dire que c'est tellement appréciable. Voilà, là, j'ai quand même des courbatures, bien sûr, d'avoir couru, mais voilà, j'y retourne demain et ouais, franchement, je suis contente. Je vais m'y tenir hein, parce que là, franchement, c'est pour la santé et c'est vachement plus agréable. Donc, bref, voilà, je vous laisse ici. Je vous tiens au courant. Je vous dis à plus tard. Hey, coucou, enfin, recoucou, on est aujourd'hui jeudi soir, fin de journée, 18h08. Donc je viens pour vous dire que bon, j'ai bien terminé mon roman de chez Plume de Marmotte sur ma liseuse. Bon, je l'ai laissé dans ma chambre. Donc, mais bon, je vous ai déjà montré la couverture. Donc j'ai bien aimé. J'ai passé un très bon moment. Ça se lit très vite. Voilà, je ne vais pas plus vous en parler qu'hier. Mais voilà, j'ai terminé mes petites pages
tranquillement. Après, j'avais trop envie de lire. Et donc, Elodie m'a dit qu'elle lisait bien le Tueur intime de Claire Favant. Donc, j'ai dit, je vais commencer une autre lecture. Et finalement, je suis tombée sur l'émission Patron Incognito, que j'ai pas regardée depuis, je crois, la première émission. J'avais bien aimé, mais vu que après je me levais toujours super tôt, j'avais jamais regardé les émissions. Donc là, j'ai dit, allez, on met ça en fond et je vais bouquiner, et puis voilà, on fait autre chose. Et finalement, j'étais à fond dans l'émission, donc je n'ai pas lu du tout. Et Elodie me dit, je t'ai tellement à venir. Et Elodie me dit tout à l'heure, ah, mais finalement, on peut lire le cheptel, oui. L'année dernière, ça m'est arrivé, c'est des trucs qui mettent du temps, celle-là. Donc, nous allons commencer celui-ci. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je vous tiendrai au courant de l'évolution. Mais. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que. J'ai bugué, total. J'ai cru que les chapitres étaient. Encore dans le désordre, je suis encore sur l'autre histoire, moi. Je suis en train de me dire que je me suis gourée, c'est pas possible. Mais en fait, non, ils sont dans l'ordre, il n'y a pas de mystère. 57, 56, oui, c'est bon. Donc, le cheptel, il fait 940 pages. Ouais, 940, pile poil. Donc, 20 de plus que celui d'avant, le vide. Donc, voilà, je ne le lirai pas entièrement dans ce vlog, hein, vous vous en doutez bien. Mais je pourrais venir vous en parler, vous tenir au courant. Sachant que ce week-end, on rentre à Poitiers, est-ce que je dois rencontrer de la famille de mon conjoint et manger la galette de son côté et de mon côté. Donc là, on va bouffer galette, 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 galette. Sachant que demain soir, vendredi soir. Mon directeur, mon patron de mon boulot, offre aussi sa galette et pour nous souhaiter ses voeux. Donc voilà, je vais manger beaucoup de galettes ce week-end, mais j'aime bien. Donc voilà. Donc ça sera ma lecture en cours. Et donc je vous disais que j'avais commencé une lecture, mais j'ai lu le chapitre 1 et le chapitre 2, c'est-à-dire 20 pages. Donc je vais pas le compter. C'était Green Man des éditions Point de Classe, David Classe. Je sais plus exactement l'auteur, mais voilà, j'étais partie là-dessus. Mais je le lirai après celui-ci, je pense. J'aurais fait mes deux pavés en janvier, ce sera déjà très bien. Et surtout, je viens pour ouvrir ce petit colis. Alors, c'est pas une réception de livres, mais c'est une réception de la T-Box. Voilà. Ça sera la semaine réception, hein, cette semaine. Je me suis. Ah oui, cet après-midi. Cet après-midi, non, ce matin. J'ai voulu me désabonner de la Si pour Box, comme je vous disais, parce que je me suis dit, je vais me désabonner. Et en fait, je vais tenter une dernière fois pour faire la session thriller. J'ai choisi la catégorie thriller. Oh, elle est belle. La catégorie thriller, polar thriller, pour voir ce qui m'envoie, si ça me botte un petit peu plus. Peut-être que c'est le genre que je prends à chaque fois qui me pas. Parce que La Juive de Shanghai et Chère Mamie, tu vas rire. C'est pas du tout des romans qui m'auraient attiré. Donc c'est pas trop ce que je recherche, même si c'est le but aussi, c'est de découvrir le but d'une box, hein, c'est de découvrir aussi des auteurs et des nouvelles choses. Mais voilà, je suis pas plus beauté que ça, je sais pas si vous l'avez remarqué quand je joue les box. Donc là, je vais faire dans mon domaine que j'aime bien le thriller. À voir, en espérant, je croise les doigts pour que ce soit un roman que je n'ai pas, ou que je n'ai pas lu du moins. Et voilà. Oh, il y a un gros truc, il y a une petite bosse. Alors donc, on va être basé sur le nouvel an chinois, j'imagine. La Chine, parce que c'est le nouvel an chinois en janvier. Mais il y a une bosse là. Qu'est-ce que c'est? Le nouvel an en janvier en Chine, donc. Alors, l'éveil du dragon, les rues sont éclairées de lanternes rouges et d'or, oscillant doucement au gré de la brise hivernale. Les échos des rires et des chants se mêlent à l'odeur alléchante des mets traditionnels. 2024 ne sera pas une année ordinaire, ce sera l'année du dragon, une créature mythique vénérée pour sa puissance et sa sagesse. La T-Box vous emmène au cœur de cette célébration, dévoilant des thés inspirés par la force du dragon et l'élégance de la Chine. Laissez chaque gorgée vous guider à travers ces traditions en éveillant vos sens à la magie de cette festivité. Bon, rien à voir avec le nouvel an chinois, mais là, en éveillant vos sens.
En éveillant, il y a une faute, non? Étrange affaire. Bon, je suis grave à la bourse, on mettait de la box précédente. Mais bon, c'est pas très grave, ça se périme pas. Donc le joli petit cahier. Par contre, niveau design, la T-Box, je vais pas arrêter. Hein. Niveau design et niveau goût, on est bien. Hein. Avec une petite carte. À chaque fois, c'est la même carte que la box en fait. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ouh. Du chocolate. Une mini tablette de chocolat. Et là, un petit gâteau, je ne sais quoi. Nous avons les valeurs nutritionnelles, chose que je m'en fiche catégoriquement, mais on ne sait pas ce que c'est. Ah si, c'est le petit gâteau qui s'ouvre et qui a un message dedans. Il était là 6h15. Ah oui, c'est ça, c'est le truc chinois. On va regarder le thé après, on va lire le message. Oula, je m'y mets partout. Ça sent bon. Alors, je vous lis mon message pour 2024. Lancez-vous dans une activité inhabituelle et osez vivre comme si vous aviez tout votre temps. Alors, justement, je viens de me mettre à courir. Hein. Et là, je reviens juste, je suis habillée en mode dégueu. Mais, enfin, dégueu. Voilà, je me comprends parce que je reviens de courir. Donc, j'ai fait la vaisselle et tout. Je prends ma douche après, je suis désolée, mais bon. Mon corps est gelé et tout rouge, donc je le laisse réadapter avant de partir sous la douche bouillante. Et je me suis dit, ouais, la T-Box, on va l'ouvrir avant. Alors, un thé noir, origine Golden Yunnan, qui s'appelle Au sud des nuages. Je vous les montre à chaque fois, mais je ne sais pas pourquoi. Ensuite, de chez Gaïa, ah, les jardins de Gaïa, la souplesse du dragon, une tisane fruitée et épicée. Ça, c'est pas mal. Ensuite, ça vient de la fabrique de thé, un thé vert au jasmin bio, thé vert arôme naturel de jasmin. Ça, bah, j'ai découvert le thé au jasmin et dans la box précédente. Je crois qu'il y avait juste des sachets de thé de la compagnie coloniale et au jasmin et c'était très bon. Ensuite, ça vient de Les Saisons du thé, la cité impériale, un thé noir, mangue et bergamote. Ah, bah celui-là, je ne pourrais pas le boire. Bergamote, c'est du citron. En tout cas, des agrumes, je n'aime pas ça. Ensuite, nous avons deux petits sachets. Ah, oh, ils sont transparents derrière. Ortie. Ortie at night, the gentleman. Je ne sais pas si c'est un thé ou une infusion. Ensuite, les jardins de Gaïa. Un Wolong fruité. Je sais jamais si c'est des thés ou des infusions. Ben, ça, Wolong tea, ça veut dire tea. Thé blanc. Pareil de chez les jardins Gaïa. Voilà. Ensuite, thé vert pêche de chez Jardin d'Asie. Cool. J'aime bien la pêche. Ah, agrumes. Citron parfumé aux agrumes. Bon, bah, c'est bon. Thé noir au jus de litchi. Ah oui, là, on n'en a qu'un. Okay. Ah, ben non, évidemment. Il y a un autre agrume. Citron orange pamplemousse. Oula. Alors, j'aime bien l'orange, mais citron et pamplemousse. Bon, ben ça. Il n'y en a que deux. Ça va que je peux pas boire. Cool. Et ben on est gâtés, hein, encore une fois. Bon, bah écoutez, moi c'est tout ce que je voulais vous dire. Enfin, vous montrer ma petite tea box et la découvrir avec vous. Donc, je range tout ça. Je vais manger mon petit gâteau, du coup. Ça m'a l'air un peu sécos. Je vais prendre un petit chocolat avec. Je ne me suis pas fait de thé, je voulais prendre un thé. Puis, en fait, non, je vais aller prendre une douche surtout. Je vais bouquiner ça. Et puis, voilà. Je vous tiendrai au courant de mon avancée de ma lecture du cheptel. Je pense que je vais le commencer ce soir. Et puis, voilà, je ne sais pas trop ce que je vais faire ce week-end. Je sais juste qu'on a un repas samedi midi, samedi soir. Et la galette le dimanche après-midi. Mais entre tout ça, je vais peut-être lire, je ne sais pas trop.
Donc voilà, je vous tiens au courant de tout ça. À plus tard. Et je viens vous faire un petit point lecture plutôt rapide. Je me dépêche parce qu'ils sont en train de. Enfin, je suis en famille, comme je vous disais. Ils sont en train de faire un jeu. Mais moi, je me suis un petit peu endormie. On a fait. J'ai fait une petite pause là ce matin. On a mangé comme un repas de Noël. On est sorti à 16h de table ou 16h30. Et après, on est reparti se promener. Et du coup, ma mère était fatiguée. Donc, du coup. Je me suis rendormie et puis je me suis dit, oh, je vais bouquiner, je vais rester tranquillement. Et finalement, je suis avec eux dans le salon parce qu'il y a la cheminée qui est allumée et que du coup, je suis super bien. Donc, eux, ils jouent. Et moi, j'ai lu parce que hier, j'ai quasiment pas lu et je me suis dit, Elodie va être arrivée et elle va m'attendre. Et j'avais envie de lire aussi, tout simplement. Donc là, je suis rendue page 131. Donc, je me suis dit, je vais aller faire un petit point. Rapidement au bout de 100 pages pour l'instant je comprends pas vraiment et je trouve que ça bouge pas beaucoup mais là justement ça commence à évoluer un petit peu au niveau de l'enquête. Alors je vais vous lire le résumé. Alors, un vieux notaire résolu à percer le secret de sa naissance, un ado piégé en montagne un jour de rando. Une jeune femme soumise aux ordres d'une mystérieuse grande prêtresse. Entre ces trois êtres si dissemblables, il n'est qu'un seul point commun, le cheptel. Intégrée à la cellule TEH, trafic d'êtres humains, d'Interpol, l'équipe du capitaine Héloïse Bouquet remonte une piste rouge de sang, celle d'un monde clandestin où l'homme n'est que bétail, une marchandise, un jouet à la merci des vices des puissants. D'accord, je suis moitié essoufflée. Ah oui, donc c'est trois personnes, mais moi j'ai pas capté, j'ai compris qu'on suivait deux personnes, donc un vieux notaire. Et j'ai pas capté l'ado piégé en montagne. Un jour de rando. Donc c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu paumée. Après, j'avais commencé un petit peu hier. Non, hier, j'ai quasiment pas lu. Donc, jeudi, je crois, on l'a commencé avec Elodie. Et moi, j'ai lu que 60 pages. Et là, je viens tout juste de reprendre. Donc, j'ai peut-être eu du mal avec le début. Mais j'ai pas du tout capté l'ado. Hein. Alors là, une jeune femme soumise aux ordres d'une mystérieuse grande prêtresse. Moi, pour l'instant, je suis un notaire et l'enquête. Et une enquête. Mais je n'ai pas trop capté le délire. Bref, voilà. En tout cas, ça c'est très bien. Là, j'ai lu donc une soixantaine de pages là, depuis tout à l'heure. Et ça se lit très bien. Je suis un peu perdue, comme je vous disais. Mais je pense que ça va s'embriquer. On est qu'à 100 pages. Il y en a presque 1000. Donc voilà, il y a le temps de venir voir les choses. Mais c'est agréable à lire. J'aime bien. Je retrouve la plume de Céline Dangean. On avait lu ensemble avec. Avec Elodie, la fille de Cali l'année dernière. Je sais plus trop quand, mais on l'avait lu ensemble. Et on avait bien aimé, il me semble que c'était en mai, parce que je crois que je travaillais pas encore là où je travaille. Et on s'était dit. Alors normalement c'était son tome 1 entre guillemets, mais je pense que c'est avec Héloïse Bouquet. Mais je me souvenais même plus que c'était Héloïse Bouquet. Mais c'était sa première enquête. Bon là, c'est pas du tout ça dans l'ordre, mais c'était ce que j'avais vu sur Livre-Édite. Mais là, sur le ses apparitions chez Pocket, son premier c'est Voulez-vous tuer avec moi ce soir? Ensuite, le cheptel.
Ensuite, Double Amnésie et ensuite La Fille de Cali. C'est pas du tout ce qui est écrit sur le livre à dix, mais bon, c'est pas grave. Et en plus, c'était un livre dédicacé que m'avait offert Gaëlle du Pont de Galles du Livre. Et elle m'avait offert celui-là, et justement, j'avais vu sur Livre Addict que fallait lire d'abord La Fille de Cali, donc je l'avais mis de côté. Et ça, on me l'a pris en 2022, donc l'année dernière. Donc, bref, voilà. Je vais aller continuer en attendant de passer à la table. Et voilà, j'espère que vous, ça va. Que vous êtes bien installés. Bon, là, de toute façon, ça va bientôt être la fin du vlog. Parce que je ne vais pas beaucoup lire beaucoup plus, je pense. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit point lecture rapide et vous lire un petit peu le résumé, vous dire un peu de quoi ça parle. Voilà, donc je vous laisse ici et je vous reprends sûrement demain ou lundi. Allez, cracotte! Allez, attaque! Tardivement cette vidéo, ce vlog. Ça va être très court parce que je n'ai pas beaucoup lu. Bah, je vous ai pris samedi matin, je crois, si mes souvenirs sont bons, pour cette lecture-là. Donc je suis arrivée page 208 au point de rendez-vous. Enfin non, c'était page 202. J'ai lu un petit chapitre. Et voilà, donc je reste sur le même avis pour l'instant, sachant que justement, juste après avoir fait la vidéo, en disant que je ne savais pas l'ordre avec La Fille de Cali, c'est bien le premier à lire La Fille de Cali, parce que juste après, il y avait un petit, comme par hasard, juste après le chapitre d'après, il y avait l'ado dans la montagne que je me disais, mais je l'ai jamais vu, et il y avait une référence avec Héloïse Bouquet, donc la fameuse inspectrice qu'on suivait dans le tome La Fille de Cali, donc je suis contente. Et voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais continuer cette petite lecture tranquillement la semaine prochaine, cette semaine du coup. Donc vous aurez la suite dans le prochain épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi c'est toujours un grand plaisir de faire ces petites vidéos. J'aime bien faire des petits films, des petits trucs. Alors c'est des vidéos des fois complètement à l'arrache, mais j'aime trop, je suis là. Ah ouais, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Voilà, je fais mes petits plaisirs, mes petits kiffs. Voilà, j'espère que ça vous plaît toujours et que vous prenez plaisir à regarder ou à écouter ces vidéos. Et puis voilà, donc je vous laisse ici, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine, j'espère que vous avez passé un bon lundi. Je vais vite monter mon vlog, le mettre en ligne aujourd'hui et commencer un autre de suite d'ailleurs. Et donc je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Salut!